Hello, hello, ma team chouchou, je suis trop contente de vous retrouver. Oui, je vous ai mis sur trépied, même si c'est un vlog aujourd'hui. Je sais pas par quoi commencer, j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas vlogué. C'est un petit peu vrai, je crois. J'ai pris l'habitude de vlogger une fois par semaine, mais là, c'est vrai que y a plein de choses qui ont fait que finalement, j'avais pas très très envie de vlogger. Et voilà, je vous ai toujours dit que je me forcerai jamais. Et il faut que ce soit toujours un contenu spontané sur tous les vlogs. Donc voilà, mais en tout cas, vous inquiétez pas, ça va très bien. J'ai reçu pas mal de petits messages là encore tout à l'heure en disant, on te voit pas trop sur les réseaux sociaux et tout. J'espère que tout va bien. Mais tout va bien, vous inquiétez pas. C'est juste que je suis assez prise au final. Et voilà, et je suis assez occupée de mon côté. Mais je vous oublie pas, je suis toujours là. Et ça va toujours très bien, comme vous voyez. Donc ouais, ça fait trop plaisir de sortir la caméra. Alors ce sera sur plusieurs jours, parce qu'aujourd'hui nous sommes samedi, demain c'est la fête des mères. Alors la journée elle est bien commencée, hein. Il est 15h47. J'ai fait tout ce que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine parce que j'étais assez occupée, et là aujourd'hui j'avais pas mal de trucs à faire en cuisine. J'ai des cookies qui sont en train de cuire, je viens de terminer. C'est une recette que j'ai jamais fait, mais en fait c'est pour une collaboration que je vais faire incessamment sous peu et qui est vraiment trop trop cool, et je suis hyper contente. Donc voilà, je m'avance un petit peu, donc ça je le fais, et après je vais commencer une pâte à choux parce que demain pour la fête des mères, j'avais envie de marquer un petit peu le coup et faire un truc que j'avais jamais fait et que Mounette adore, c'est les profiteroles. Donc voilà, j'ai pas non plus envie de me lever à 6h du matin, donc je vais m'avancer aujourd'hui. Je vais commencer par faire la pâte à choux, voir tout ce que je peux m'avancer. Je filmerai bien, je laisserai au frigo et je sortirai demain en espérant que ça le fasse. En plus, ça tombe trop bien, bah, j'ai une copine, Carla, si tu passes par là, mais moi quoi, j'ai reçu un cadeau. Ah oui, en marque-page, j'ai mis un ciseau, tout va bien. Regardez le beau bouquin que j'ai reçu en cadeau, il est énorme. Je crois que c'est le... Enfin, c'est même pas, je crois, je sais. C'est le meilleur livre de cuisine que j'ai pu recevoir. Je viens de terminer de le feuilleter entièrement. Il a l'air trop bien. C'est le grand manuel du pâtissier. Je suis hyper contente. Et dedans, il y a entre autres toute la marche à suivre pour les pâtes à choux, la sauce profiterole, la crème pâtissière, bref, tout. Donc, je vais suivre la recette de ce bouquin. Et je vous ai pas dit, mais... Enfin, vous l'avez vu, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, je suis allée chez ma coiffeuse. Alléluia. Donc, voilà. Le résultat, j'ai pas vlogué là-bas parce que j'ai pas vlogué encore une fois. Enfin, franchement, je vais pas m'expliquer. De toute façon, en vérité, on a rien fait de plus. Si ce n'est comme d'habitude, par contre, on a bien coupé comme vous voyez parce qu'ils étaient super bons. Hier, je les ai bouclés, donc il me reste pas mal de wave. Puis je suis revenue au blond, bien intensifié tout ça. On a coupé un petit peu une petite mèche. Donc ouais, franchement, rien que ça, ça va mieux. Je me sens plus légère de la tête. Pour vous montrer, donc par exemple, vous voyez là, j'ai la pâte à choux et en fait, tout le bouquin est vachement bien illustré, donc il y a une partie dessin, à chaque fois les ingrédients sont bien listés et surtout vous avez à chaque fois la marche à suivre, tout illustré en photo avec de très très belles photos durant tout le bouquin. Alors au tout début, il y a tout pour faire les pâtes, les biscuits, les sauces, les meringues, il y a absolument tout, toutes les crèmes, et après il y a une tonne et une tonne de recettes. Ça, ça a l'air trop bien, je crois que je vais la faire. Peut-être pas tout de suite, c'est la tarte à la vanille et vous voyez, c'est vraiment vraiment bien expliqué. Donc ouais, je suis super contente, écoutez. Donc je vais définitivement l'utiliser dès aujourd'hui pour ma pâte à choux. Qu'est-ce que c'est pas ça? Mais c'est pas vrai. Quoi? Je m'ennuie, je m'ennuie. Alors, on a reçu un colis? Oui, pour une fois, il est pour moi. Alors, moi, je sais ce que c'est. Déjà, Madame Baïteri. Oh, j'adore les petits sacs en plus. Madame Sac. Madame Sac, je les garde presque. J'adore les petits sacs. En plus, ils sont jolis, ça. Ils sont trop jolis. Mmh, ouais. Chic. Cool. Et choc. Trop joli, mais c'est gentil. Oh là là, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Wow. Oh, j'ai l'air vraiment bien. Toi, tu cherchais, tu sais, un sérum hydratant, repulpant, ouais. Et tout. Ah, mais je vais le mettre, je vais le commencer ce soir. Revitalisant, pulseur d'éclat, surhydratant, radiant. Cette gamme, elle a l'air vraiment bien. Base soin extra lissante. C'est celle que tu aimes, que tu utilises. Oh. Tu sais, celle qui comble, ouais. Là. Ouais, oh là là. Bon, est-ce que celle-ci, tu l'adores? Ah, l'eau de soleil hydra bronzante intégrale. Elle est géniale, celle-ci. C'est parce que je l'ai reçue, moi, chouette. Et franchement, elle est trop bien. Ah ouais. T'as vu? En fait, tu peux, si tu la mélanges, t'as un effet un peu satiné. Ouais. Et si tu la mélanges pas, t'as l'effet juste bronzant qui est mat. Et ça fait vraiment le hâle naturel et ça tient toute la journée. T'as pas de transfert et c'est vraiment joli.
Ah, oh, c'est trop franchement, contente. Il est trop trop beau celui-ci. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Ah, oh, je suis trop contente. D'ailleurs, je vais leur montrer comme c'est joli. Ah, oh, c'est chouette. Et franchement, sur le principe, c'est hyper. Là, on voit bien parce qu'elle a été secouée. On voit bien que c'est un effet satiné. Mais c'est pas ultra satiné non plus. Mais ça fait un peu plus lumineux. Mais je vous dis, si vous le mélangez pas, vous avez un effet mat. Et la couleur, elle est magnifique. C'est une CC crème, mais moi, j'ai jamais essayé. Comme ah, toi, tu en cherches une. Elle doit être bien. Je peux ouvrir? Quand même, tu vas pas laisser dans le carton. Ah oui, mais moi là, quand c'est pour moi comme ça, je. Et encore, je trouve que tu vas pas vite. D'habitude, elle ouvre. Bah oui, mais ça me fait trop plaisir. Je vais la laisser ouais. Demain aussi. Ouais. Ouh, je vais être occupée. Hydratation intense, protection jeunesse, nutri-confort. Ah, ça, je suis trop contente. Moi qui adore les crèmes pour les mains. Voilà, Madame crème pour les mains. J'adore, j'en mets. Bah, je crois que je rate pas un soir sans me te masser crémer. Et me crémer les mains. Ouais. Tout je crois temps. Que depuis des années, c'est, ouais, c'est, ton rituel, c'est mon rituel hein. Avant ouais. De me coucher. Elle est jolie. C'est la bombe d'or. Oh, elle est jolie, moi je trouve toute jolie, mais en même temps, en plus le packaging, tout est joli. Et puis, la crème pour les mères, franchement, je suis trop contente. Oh là là. Vous l'avez essayé celle-ci ou pas? Là, je crois pas c'est que j'ai vu, non, non, non. Je vous remercie beaucoup, toute l'équipe, et puis particulièrement, bien sûr, à Laura et Terry, bien ouais, sûr. C'est trop mignon. Que j'adore beaucoup. Ils sont vraiment drôles. C'est une équipe. C'est une équipe formidable. Et Laura, c'est un coup de cœur aussi. Mmh. Et Terry, alors Terry, c'est une belle c'est rencontre. Une personne exceptionnelle et que j'aime beaucoup. Ouais, voilà, c'est une trop très, mignon. Très belle rencontre. Et je remercie vraiment tout le monde et ma chouchou. Et en plus, attends, la bonne. Bon, ça c'est pour toi. En plus, ils m'ont proposé de faire gagner la même chose à 3 mamans d'abonnés. Donc je trouve ça trop adorable quoi. Enfin, franchement c'est trop rare. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc voilà, super, écoutez, si vous voulez gagner, remporter la même chose, je vous mets tous les détails en barre d'infos pour gâter votre maman ou pour vous. Hein. Mais bon là, c'est vrai qu'on parle de fête des mamans. Donc je pense que c'est un chouette petit assortiment et je vous mets tout en barre d'infos. Et un gros bisou comme l'a dit Mounette à Laura et Terry et toute l'équipe. On vous embrasse bien fort. Voilà. Bisous. On se retrouve pour ce deuxième jour puisque hier, en fait, j'ai passé ma journée, je vous jure, en cuisine. J'ai fait la pâte à choux, j'ai fait la crème pâtissière, j'ai fait mes cookies, j'ai fait tout ce dont j'avais besoin de faire et j'ai un petit peu traîné, j'avoue. Et hier soir, j'ai regardé la nouvelle saison de Certain Reasons Why. J'ai regardé 2 épisodes, je crois, et j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Je sais pas si c'est moi, mais je suis hyper déçue jusqu'à maintenant, mais bon, il y a que 2 épisodes, donc on verra. Quoi qu'il en soit, on s'en fout. Aujourd'hui, dimanche, il est 10h30, je crois. J'ai dormi ce matin, mais ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Ça fait du bien, je dois dire. Donc là, je reviens à ma cuisine et je vais former les choux. J'avais mis la pâte à choux au frais, donc elle est dans la poche à douille. Je vais les former. J'espère que ça va le faire, j'espère que ça va monter, que ça va pas être un fail, parce que sinon, j'aurais envie de pleurer, je crois. Vous êtes prêts? Regardez les premiers petits choux de chouchou. Bon, il y en a, ils sont un peu déformés. Et t'as vu c'est avec... c'est des œufs frais. Ben oui, ça se voit. J'ai utilisé des œufs frais et c'est... Regarde comme ils sont jaunes. Il est bien. Hein. On s'approche de quelque chose. Ils sont pas tous faut parfaits. Faut pas que ce soit raté parce qu'on n'a plus de dessert. Ce serait catastrophique. Ben un peu oui. Donc sachant que j'ai une deuxième fournée là sur le côté, il m'en reste un petit peu, donc je vais les faire. Je vais les laisser refroidir et puis là en deuxième partie, on va garnir de crème pâtissière que j'ai fait hier aussi, que je vais bien refouetter pour émulsionner. On les voit plus, mais profitera. Ah bah, tu prends une tiers. Putain, c'est trop bon. Bon appétit. C'est vrai. Bon appétit. Ah, c'est bon. Il n'y a pas de glace. C'est léger. Hein. Chouchou. C'est bon. Ouais. Oh, dis donc. Ah, c'est la reine. C'est léger. Oh, c'est léger. C'est extra. Petit update, c'était une réussite, ces profiteroles, je suis ravie. Je vous montrerai les photos du livre, comme ça vous allez faire des captures si ça vous intéresse. Mais franchement, c'était hyper bon, que ce soit la crème, la pâte à choux ou même la sauce au chocolat. Vraiment, c'était hyper léger pour des profiteroles, genre avec tout ce qu'il y avait déjà de base. C'était vraiment pas trop sucré, c'était parfait. J'en perds mes cheveux. Donc là, c'est les ingrédients pour la pâte à choux. Donc vous avez 400 g de pâte, je peux vous assurer que vous en avez largement assez. Et à ce niveau-là, c'est le détail de la recette, donc pareil.
pareil. Je vous laisse mettre en pause et faire une capture si vous voulez la refaire. Ici, vous avez la crème pâtissière. Donc pareil, c'est la même recette que j'ai fait. Et elle est succulente, mais vraiment. Et enfin, nous arrivons à la sauce profiterole, donc la sauce au chocolat qui est juste là. Il n'y a même pas de beurre et pareil, très très bonne. Donc voilà les amis. Et pour rappel, c'est ce fabuleux livre, Carla, mille fois merci, je l'aime trop. Donc là, le programme, c'est que je vais faire les ongles à Mounette, que c'est la fête de mère. J'ai dit, allez, aujourd'hui, je te fais tout ce que tu veux, je m'occupe de toi, c'est ta journée cocooning et tout, donc elle m'a dit les ongles. Donc j'ai tout mis là en attendant, puisque comme je vous ai dit, dans mon réaménagement de salle de bain et tout, ça prend forme. Hein. Franchement, j'ai que des galères, je vous raconte même pas. Là, j'approche de quelque chose, cette semaine en principe, c'est la bonne, donc je vais vous montrer très prochainement, mais pour l'heure, j'ai mis tous les produits Axe Ongles dans ce tiroir pour l'heure, mais ça va changer un petit peu. Donc, nous avons besoin. Regardez ce que je me suis fait en petit nuancier avec toutes mes teintes. Je crois que c'est le truc que je préfère dans ce tiroir. C'est hyper satisfaisant à regarder. Donc écoutez, je vais lui montrer, mais je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait un rouge bordeaux. Et voilà le résultat final. Bah, au final, elle a pas opté pour un bordeaux, pardon. Elle a mis la petite touche de strass. J'aime ces couleurs un peu rouge orangé. Moi, je trouve que ça reste du classique malgré tout et que. C'est joli. Puis ça fait ressortir. Le bronzage. C'est fait. Maintenant, on passe à la coiffure. Voilà. J'ai une chouchou multifonction. Aujourd'hui, j'ai dit, je fais ce que tu veux. Voilà. Tu vas me masser les pieds. Oh, bah si, il faut. Oh, t'es mignonne. Oh bah écoute, quelle fille fantastique! Oh. Et voilà le résultat. Regardez-moi ça, ces petites waves. J'ai utilisé, si ça vous intéresse, enfin, je vous en reparlerai si vous voulez, un fer Numi parce que j'ai fait le tri dans mes affaires il n'y a pas très longtemps. J'ai retrouvé, il est génial, mais j'ai depuis des années. Et par-dessus, j'ai appliqué, comme d'hab, une spray ondulation de Way que j'utilise tout le temps pour définir les boucles. Et surtout, ça les fait tenir un petit peu plus. Ça donne un effet un petit peu saltière que j'aime bien. Et dernièrement, on applique la Shimmer Shine de Kevin Murphy. C'est ma coiffeuse qui me l'a conseillé. Du coup, Mounette, elle a pris aussi. Et ça donne de la brillance aux cheveux. C'est une huile sèche qui est hyper, hyper jolie, agréable et qui sent super bon. Il est temps de m'occuper de moi. Dimanche cocooning. Non, ça va pas être le gros truc parce que j'ai déjà fait des masques cette semaine et qu'au final, ça va. Il n'y a pas trop de laissage et de ce côté-là. Je suis pas tachée, c'est juste de l'eau. Je me suis nettoyée la peau. Je vais me faire le petit baby facial que j'aime trop de Drunk Elephant. Vraiment, j'aime beaucoup et je m'y tiens vraiment une fois par semaine. Je le fais obligé. C'est un exfoliant chimique qui a laissé poser 20 minutes. C'est assez intense, mais à chaque fois, je vois des effets fous sur ma peau. Je sais pas si vous voyez, mais ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. J'ai plus du tout d'imperfections ces derniers temps et surtout, j'ai toutes mes taches qui commencent à entièrement disparaître. Et je pense que c'est aussi grâce à ça, parce que vraiment, je vous dis, je m'y tiens, quoi. Donc c'est à appliquer en couche assez uniforme, mais pas trop épaisse. J'ai l'impression que je sais même plus vlogger, tellement ça fait un petit moment, j'avoue. Mais ouais, je voulais vous faire plusieurs vidéos déco, notamment sur ma chambre et la salle de bain. Et en fait, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai eu des galères de livraison. Alors, soit les meubles sont arrivés cassés, soit pas reçus encore. Donc ça a pris pas mal de retard, mais bon, ça commence à prendre forme. Comme vous voyez, il y a un petit peu de nouveauté là, mais c'est vraiment pas fini. Vous savez que par rapport à Jiffy, là, je vous avais dit que j'avais reçu mon meuble qui était hyper endommagé et l'autre cassé, que j'arrivais pas à les joindre. Et bien, toujours rien. Voilà, j'ai arrêté de compter, mais je crois que ça fait 3 semaines maintenant. Et bien, je suis sans nouvelles. Ils ont coupé les lignes téléphoniques. Enfin, vraiment, j'ai tout essayé. Vous avez été plusieurs à me dire de joindre la ligne consommateur. J'ai essayé, on peut pas. On peut pas. On appelle et c'est comme si la personne avait
décroché, vous savez, donc impossible. Donc ravi, tellement pétard contre Jiffy, vous avez même pas idée. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en ai trouvé un autre à Ikea cette semaine, parce que celui-ci, je vais pas le garder, franchement, c'est une telle catastrophe, mais vous avez même pas idée. J'ai trouvé un autre, faut juste le monter là, parce que je viens de le trouver il y a deux jours. Donc ouais, voilà, ça prend quand même forme. Vous allez trouver des changements, vous verrez. Donc là, je vais laisser poser, et je pense que je vais commencer à éditer ce vlog pour que vous puissiez l'avoir demain. J'aimerais bien vous le poster demain, en vrai, parce que cette semaine j'ai posté qu'une seule vidéo, donc celle d'hier. J'ai rien posté mercredi parce qu'avec tout ce qui se passe partout dans le monde, bon, essentiellement aux États-Unis, mais c'est vrai que ça s'est un petit peu généré partout, et voilà, par respect, juste parce qu'il n'y avait pas le cœur, n'y était pas, j'ai décidé de pas poster mercredi et de pas poster tout court nulle part ailleurs. Donc ben voilà, au final il n'y a pas eu grand chose cette semaine, et ça fait longtemps que j'ai pas posté le blog, donc je me dis ça peut être une bonne idée de vous en poster un demain. Donc j'espère y arriver, je vais essayer. oui, nous sommes sur le jour suivant. Je n'ai pas clôturé hier, je me suis couchée super tard, où j'ai complètement zappé, m'en voulais pas, ça fait longtemps que j'avais pas vlogué, mais ouais, du coup j'étais en train de d'éditer là, en fait, de terminer d'éditer, je me suis dit mais mince, il te manque la fin, donc je suis là comme vous voyez. Tenue de combat, c'est lundi, ça y est, retour au boulot, les choses sérieuses reprennent. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura fait plaisir d'en avoir un, et n'oubliez pas aussi de participer au concours pour remporter le lot by Terry. Vous avez vu en début de vlog, pour rappel, il y a 3 personnes qui vont le remporter. Donc tout se situe en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, et puis surtout tentez votre chance, parce que qui ne tente rien n'a rien, vous savez, et je suis hyper contente de pouvoir vous proposer ça, et vraiment je remercie encore une fois Baïteri, je trouve ça trop mignon. Prenez bien soin de vous, moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye.